Bonjour à tous, nous sommes le lundi 29 avril et je vous retrouve comme chaque semaine pour le suivi de ma perte de poids. Donc regardons ensemble mon poids sur la balance de ce lundi. La semaine passée, j'étais à 64,7, ce qui veut dire en fait que j'ai pris 100 grammes, mais si on analyse les chiffres qui suivent, en fait, ce sont 100 grammes en muscle. Au niveau des centimètres cette semaine, je n'ai pas bougé. Par contre, je voulais vous en parler parce que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont eu la même période que moi, donc on parle d'une phase plateau. Faut savoir que le corps à la base n'est pas fait pour perdre du poids, donc je vous le rappelle, je l'ai déjà dit. Mais comme dans notre alimentation d'aujourd'hui, nous apporterons trop de sucre, trop de graisse, etc., eh bien ça fait que notre corps prend du poids, de la graisse, et c'est pour ça que nous essayons de la perdre. Maintenant, vu que le corps n'est pas fait pour ça, il passe par des phases plateau. Ça veut dire simplement qu'après avoir perdu un certain nombre de kilos, vous pouvez ne plus perdre de kilos, voire bouger pendant quelques semaines. Il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Mais par contre, il faut continuer à bien vous alimenter, à faire bien attention, continuer votre activité physique, continuer à boire suffisamment d'eau. Parce qu'en fait, ce que fait votre corps, c'est se stabiliser en fait à ce nouveau poids pour pouvoir ensuite reperdre la suite de vos kilos. Donc je sais que c'est vraiment difficile au niveau du moral quand on monte sur sa balance chaque semaine et qu'on ne voit pas bouger le poids, je passe par là également. Maintenant, la différence par rapport à avant, c'est que je ne me focalise plus autant sur le poids en fait, mais bien sur la silhouette. Alors vous me direz, oui, mais au niveau des centimètres, ça ne bouge pas forcément. Il faut savoir que vous prenez vos centimètres à certains points. Point en fait au niveau de votre corps, mais il suffit que vous ayez perdu juste au-dessus, juste en dessous. Voilà, vous n'allez pas le voir sur les centimètres, mais par contre vous allez le sentir dans vos vêtements. Et pour moi, le meilleur repère, ce sont vraiment les vêtements. D'ailleurs, j'ai réessayé lundi passé un pantalon classique dans lequel j'étais il y a quelques semaines encore très fort serré. Et là j'ai eu la bonne surprise de voir que je flottais dedans en fait. Et alors j'ai regardé la taille et c'est un H&M de taille 40 et je flotte dedans. Donc ça veut dire que je dois me rapprocher en tout cas du 38. Donc évidemment ça m'a fait super plaisir. Et également quand je vais au sport, je vois dans mes tenues de sport que je flotte également beaucoup plus qu'avant. Et aussi que ma silhouette se redessine. Donc je vous mets également une petite photo pour les personnes qui comme moi souffrent de surpoids. On a également de la graisse au niveau des cuisses. Et là je vois vraiment mes hanches se redessiner. Mais également un creux apparaître en fait entre les cuisses. Donc je suis sûre que si vous souffrez du même souci, vous voyez bien de quoi je parle. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir son corps changer. Donc encore une fois, même si votre balance, vos mesures ne bougent pas, ça ne veut pas dire que votre corps n'est pas occupé à bouger. En fait, il est en train de se remodeler également. Donc surtout, continuez ce que vous faites, ne lâchez pas prise. Vraiment, continuez, ça en vaut la peine, vous allez être super fiers de vous. Et prenez des vêtements de référence. Donc un vêtement de référence, c'est par exemple comme moi, le pantalon qui était trop juste, trop serré. Eh bien, vous le réessayez de semaine en semaine et là, vous allez voir que votre corps se remodèle. Une fois, je sais vraiment que c'est pas facile. Hein. Je reçois quotidiennement des messages de votre part de personnes qui sont super heureuses parce qu'elles ont perdu du poids et puis d'autres personnes qui me disent avoir perdu du poids mais ne perdent plus là. Sincèrement, juste continuez. De toute façon, vous avez deux choix. Soit vous continuez et vous allez être fiers de vous, vous allez vous sentir bien et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez reperdre du poids. Soit vous allez baisser les bras, arrêter votre rééquilibrage alimentaire et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez reprendre du poids. N'oubliez pas, on ne parle pas de régime ici. Donc ça veut dire que ce que vous êtes en train de faire, l'alimentation que vous suivez, c'est une alimentation que vous allez garder sur le long terme avec des proportions différentes plus tard, c'est sûr, puisque vous n'aurez plus de poids à perdre. Mais l'alimentation en elle-même, ce sera une nouvelle base d'alimentation pour vous. Donc, voilà, à choisir, moi je préfère continuer et en sachant en plus que cela va fonctionner. Donc courage à vous toutes et n'hésitez pas si je peux vous aider. La semaine passée, je partageais avec vous le fait que je m'étais fixé un objectif sur cette semaine parce qu'on partait cette semaine après, donc maintenant dans 6 semaines en Thaïlande. Et voilà, je me suis fixé un objectif en fait pour atteindre une certaine silhouette. Cette fois-ci, je voudrais vraiment passer par le sport, continuer ma nutrition équilibrée, etc. Mais ce que je veux, c'est vraiment voir un résultat au niveau de ma silhouette. Donc pas mal d'entre vous ont décidé de me rejoindre dans cet objectif défi cette semaine. Donc je trouve ça super génial. J'ai eu plein
plein de messages sous ma vidéo de personnes me partageant leur poids, leur mesure ou leur objectif. Donc je trouve ça super motivant. Donc un grand merci à vous de me soutenir là-dedans et de partager avec moi. Donc il nous reste à présent 6 semaines. Si vous avez rejoint ce défi ou si vous comptez le rejoindre, c'est avec grand plaisir, n'hésitez surtout pas. Donc chaque semaine, il suffit de me laisser un mot sur ma vidéo de suivi. Et alors, ce que je vous conseillerais justement pour vous-même, c'est de vous prendre en photo de face et de profil dans une tenue qui est proche de votre corps pour que vous puissiez voir justement de semaine en semaine les progrès que vous faites. Chaque semaine, en fait, je note mon poids et mes mesures sur des tableaux que vous pouvez retrouver tout à fait gratuitement sur mon blog. Donc, je vous mettrai le lien ci-dessous. C'est lesconseilsdesylvie.com/documents. Tous les documents que je mets à votre disposition sont là. Donc, vous pouvez les imprimer pour vous et les utiliser. Comment s'est passée ma semaine? Donc, chaque semaine, je vous partage les différentes occasions que j'ai eues au niveau des sorties ou restos, etc. pour vous partager en fait mes astuces sur comment je gère ça au quotidien. Et j'espère que cela pourra vous aider. Donc lundi, j'étais en séminaire toute la journée et ce que je voulais vous partager en fait, c'est comment gérer ce genre d'occasion, que ce soit séminaire, que ce soit une journée à l'école, au travail, etc. Donc en fait, il faut vous préparer pour l'événement. Ça veut dire simplement prévoir les encas, les boissons, tout ce qu'il vous faut pour amener avec vous. Donc moi personnellement, ce que j'avais fait, j'avais pris une pomme que j'ai prédécoupée en quartiers pour que ce soit plus facile à manger. Sans en avoir qui reste calé entre les dents, ça ne le fait pas. Et en fait, je l'ai mis dans une boîte Tupperware. Vous pouvez également mettre un petit peu de citron par-dessus pour éviter qu'elle brunisse. Moi, j'aime bien la solution également de la pomme parce que justement, ça va vous caler. Et vous pouvez bien sûr associer à ça un yaourt. Ça, c'est vraiment l'idéal. Et avoir de l'eau avec vous, bien entendu. Si vous ne voulez pas courir tous les 3 secondes aux toilettes, l'astuce pour l'eau, c'est de boire par petites gorgées, un petit peu à la fois, et vous allez voir que ça fait une différence par rapport au fait si vous buvez en une fois une petite bouteille d'eau. Après le séminaire, nous avons été au restaurant en famille, c'est notre resto de la semaine. Donc on est retourné au California Pizza Kitchen, donc ils font des super bonnes pizzas et salades. Et donc pour ceux qui ne le savent pas, ce que nous on fait en fait, on se prend un plat de salade, une grosse salade qui contient de la protéine pour justement apporter au corps également et aux muscles la protéine dont il a besoin pour être bien nourri. Et on prend alors une pizza dans laquelle on privilégie tout ce qui est légumes ou également poulet et viande maigre. Et voilà, on partage ça avec mon homme et ça me fait le plaisir de manger un morceau de pizza tout en mangeant sainement parce que j'ai à côté de ça une grosse assiette de légumes par la salade et de poulet. Une autre astuce quand on sort au restaurant, c'est de ne pas y aller en ayant vraiment super faim. Donc prévoyez votre encas avant, ça vous évitera en fait pendant le repas de vous jeter sur les pains, etc. qu'il pourrait y avoir à table. Et de consommer de l'eau également pendant le repas. Évitez tout ce qui est boisson sucrée parce que c'est une façon en fait d'arriver à gérer vos calories. Si vous prenez, je veux dire, un coca, un soda à côté de ça, là vous allez augmenter vite vos calories. Et évitez également les sorties resto accompagnées en plus du dessert sucré parce que ce que vous allez avoir au repas va déjà être plus gras que d'habitude. Si vous rajoutez encore à ça un dessert qui certainement va être sucré, l'association de tout ça ensemble peut faire que vous allez très fort ralentir votre perte de poids, voire stabiliser votre poids pendant cette semaine-là. Donc à choisir, essayez d'avoir un repas plutôt équilibré, mais sachez que ce sera toujours plus gras que ce que vous mangez à la maison. Donc si possible, pas de dessert ou alors vous piquez un ou deux morceaux dans le dessert de votre compagne ou de votre compagnon pour ne pas apporter toutes les calories, mais vous faire un petit plaisir. Mardi, j'ai une réunion entre collègues et ça s'est passé en fait dans un établissement qui est reconnu pour ses tartes. Mon homme m'en avait déjà parlé, il m'avait dit que c'était super bon. Et évidemment, lorsque vous faites une perte de poids, évidemment, c'est pas l'endroit idéal à aller. Ce que j'ai fait en fait, j'ai bu beaucoup d'eau et on a pris, enfin, le dessert que j'ai pris en fait, je l'ai partagé avec mon homme. Donc, comme ça, j'en ai mangé un petit peu pour me faire plaisir et confirmer que c'était vraiment délicieux. Mais sans exagérer, parce qu'il est clair, si vous mangez une tarte entière, vous allez facilement vous avaler 500 à 600 calories. Pour rappel, pour brûler ces 600 calories, c'est une session environ d'une heure et demie à deux heures en salle de sport intense. Donc voilà, c'est pour vous donner un repère par rapport à ce que cela va vous prendre comme effort à perdre.
Samedi, on a fait activité pâtisserie avec mon fils, donc on a fait un gâteau yaourt allégé. Maintenant, je voulais vous en parler parce que si vous ne vous sentez pas assez fort ou assez forte pour justement ne pas craquer par rapport à la pâtisserie, je vous conseille de ne pas le faire. Parce que voilà, on en fait une quantité, puis ça reste là et vous n'allez penser qu'à ça et vous risquez évidemment de craquer. Donc faites-le si ça vous fait plaisir avec vos enfants, mais à un moment où vous vous sentez assez forte pour ne pas craquer. Et aussi, important, c'est d'y penser avant, de se dire voilà, je m'octroie un morceau, tel morceau et pas plus. Donc juste un petit morceau pour se faire plaisir, il n'y a vraiment aucun souci. Mais pas plus, et après ça, je fais attention au restant de ma journée. Je vous dis cela parce que si on ne se prépare pas, c'est comme quand on va au restaurant sans y avoir pensé auparavant, on risque vraiment de faire n'importe quoi et puis d'avaler la moitié du gâteau, ce serait vraiment dommage. Alors que si on se prépare, et ben c'est beaucoup plus facile de résister. Au niveau de l'activité physique, la semaine passée, j'ai été 2 fois à la salle de sport, donc je fais des sessions d'environ 1 heure et demie pendant lesquelles je brûle environ 600 calories. Comme je vous ai expliqué la semaine passée, je fais du cardio et je fais également du renforcement musculaire. Samedi, j'étais seule avec mon fils, donc j'avais pas la possibilité d'aller à la salle de sport et je me suis dit que j'allais combiner en fait une activité qui lui ferait plaisir et dans laquelle je pourrais aussi me dépenser. Donc ce qu'on a fait, on a été au parc, mais je m'étais mise en tenue de sport. Donc on a pris la balle et en fait on a joué au football. Donc ce qui m'a fait courir, je faisais exprès évidemment de courir. Maintenant je voyais que ça ne me faisait pas brûler beaucoup de calories lorsque j'analysais sur ma montre qui me montre justement le nombre de calories que je brûle. Donc au moment de faire une pause pour mon fils pour son encas, donc je l'ai installé pour son encas et moi ce que j'ai fait, j'ai monté et descendu plusieurs fois les escaliers qui se trouvaient dans le parc. Un pas de course et là je peux vous dire que vous le sentez bien, votre cœur se met à accélérer, c'est vraiment bon pour la condition physique et du coup ça m'a permis de brûler un peu plus de calories. Donc sur notre sortie j'ai brûlé un peu plus de 300 calories. Je trouvais ça fun parce que voilà ça lui a fait super plaisir, on était dehors, on a couru, on a joué au ballon. Voilà une bonne façon en fait je trouve de brûler des calories en combinant cela avec une activité de famille. En plus c'était super mignon parce qu'il était presque tout en haut des marches et en fait à chaque fois que je passais il me disait good job et il voulait que je lui tape dans la main donc quand on faisait ça j'avais mon supporter qui était là pour me dire de continuer, c'était trop mignon. Les points dont je suis fière pour cette semaine. Donc, je vous conseille chaque semaine de faire l'analyse de la semaine précédente pour voir ce que vous avez déjà pu changer, ce que vous avez fait, ce dont vous pouvez être fière. Ça peut être des tout petits changements. Faut savoir que les petits changements au quotidien, c'est ce qui va vous faire atteindre votre objectif. Donc, pour moi, pour la semaine passée, j'ai noté justement d'avoir continué à faire du sport régulièrement. Il faut savoir aussi qu'au plus vous allez faire du sport, au plus vous allez avoir cette envie d'en faire. Maintenant, je vous dis pas, il y a des matins où vraiment je dois me pousser pour sortir et aller faire mon sport parce que voilà, on a tellement de choses à faire dans notre journée qu'on se dit oh, mais il y a encore ça, encore ça, encore ça. Mais franchement, poussez-vous, le plus dur c'est de sortir, vous allez faire votre sport ou vous pouvez le faire chez vous également. Mais après l'avoir fait, vous avez un tel sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait faire, vous voyez ce que je veux dire, vraiment ce sentiment de fierté d'avoir fait ce qu'il fallait pour justement atteindre vos objectifs. En plus, ça vous donne une énergie folle, on se sent super bien après. Donc voilà, moi je vous encourage, si vous ne le faites pas encore, à faire une activité physique, quoi que ce soit. Hein. Donc ça peut être simplement de la marche rapide, du moment que vous bougez, que vous sentez vos muscles, que vous sentez brûler des calories. Donc ça, c'est vraiment l'idéal, vous allez vous sentir vraiment mieux dans votre peau. Le deuxième point que j'ai noté, c'est qu'à la maison, j'ai fait des repas légers. Donc, à part le resto et le morceau de pâtisserie que j'ai eu à l'extérieur, le reste du temps, j'ai fait vraiment des repas équilibrés à la maison. Voilà, sans craquer pour d'autres choses. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Surtout, n'hésitez pas à partager avec moi, comme chaque semaine, sous cette vidéo. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu sur Facebook, il y a un nouveau bouton que j'ai ajouté qui est Instagram. Donc pour les personnes qui n'ont pas Instagram sur leur GSM, elles peuvent voir mes photos en fait simplement sur Facebook en cliquant sur ce bouton. Donc sur Instagram, je partage régulièrement des photos de mes repas, de mes activités physiques,
des photos de motivation, quoi d'autre? Ah oui, je partage également à présent ma vie ici aux Philippines. Donc, par des photos, j'essaye de vous faire un peu découvrir la vie ici et la ville où je vis. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir. Si vous avez des questions, des suggestions, surtout n'hésitez pas à me laisser ci-dessous en barre de commentaires sous la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé ma vidéo, ce que je l'espère et qu'elle vous a aidé par les conseils que je vous ai apportés, n'oubliez pas de me laisser un petit clic sur le pouce vert en dessous de la vidéo pour que moi je sache que vous avez apprécié. Moi, ça me fait vraiment très plaisir parce que alors je vois en fait que le temps que je passe à préparer, à faire ces vidéos pour vous aider, surf. Donc, ça me donne envie en fait de continuer. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez simplement vous rendre sur ma page et cliquer sur le bouton s'abonner se trouvant à côté de mon nom, Les Conseils de Sylvie. Et en fait, chaque semaine, comme ça, vous verrez les nouvelles vidéos que je publie. Cette semaine, je vais d'ailleurs vous faire une nouvelle vidéo sur les montres cardiofréquence-mètre. Donc, pas mal d'entre vous qui ont vu justement que je postais les photos sur le nombre de calories brûlées pendant ma session m'ont demandé comment ça fonctionnait, où est-ce qu'on pouvait les trouver, etc. Donc, je vais vous faire une vidéo qui va résumer tout cela. Ce sera beaucoup plus facile pour pouvoir répondre ainsi à tout le monde. Je vous souhaite une excellente semaine. Pour ceux qui font le défi, donc n'oubliez pas de me laisser ci-dessous en commentaire où vous en êtes. Je vous donne rendez-vous moi lundi prochain pour mon prochain suivi, mais entre-temps vous aurez d'autres vidéos et je vous retrouve si vous le souhaitez sur Facebook pour pouvoir encore partager plus avec vous. À bientôt, bye bye! Ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis en tenue de sport. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'application Water My Body, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, ça vous permet de penser à boire de l'eau pendant la journée, c'est ce que vous venez d'entendre.